Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur Foulful des classes. À vous les anciens, c'est toujours un plaisir de vous avoir. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et à m'envoyer vos commentaires. À vous les nouveaux, une fois de plus, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, vous ne serez pas déçus. La leçon d'aujourd'hui portera sur la répartition et la dénomination des peuples Fulbe. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. La suite, après le jingle. Ayant emprunté et déformé le nom que leur donnent les Wolofs, les Français appellent Peul ceux qui s'appellent Fulbe, au singulier Pullo. Les Anglo-Saxons et les Hausa les appellent Fulani. Les Allemands, quant à eux, parlent de Fula ou Ful. À cela s'ajoute donc une multitude de noms que leur donnent les populations africaines avec lesquelles elles cohabitent. Elles cohabitent et elles sont en contact. Les Fulbe sont présents dans tous les états de l'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'au Tchad, en RCA, au Soudan. Ils n'en constituent jamais le peuple majoritaire. Bien que le nord du Nigeria, le Sénégal, le nord du Cameroun et le Niger en comptent d'importantes communautés. Sur la carte, la répartition des Fulbe apparaît axée sur une longue bande longitudinale, ne dépassant pas en général le 16e degré de latitude d'une part et le 8e d'autre part, mais s'étend d'ouest à est sur plusieurs kilomètres. Ainsi donc, le Fulfulde est parlé par un très grand nombre de locuteurs. En Afrique de l'Ouest, au Sahel et en Afrique centrale. La répartition du Fulfulde dedans est donc disparate, c'est-à-dire des noyaux isolés au sein d'une population. Cependant, l'extension du Fulfulde sur un espace vaste, à savoir 19 pays, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Burkina Faso, le Ghana, le Sierra Leone, le Soudan, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée, la RCA, République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Cette extension, par conséquent, rend difficile la détermination du nombre de locuteurs, estimé à plus de 60 millions. Plus de 60 millions de locuteurs. On retrouve donc les Fulbe dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, dans le Sahel et dans quelques pays de l'Afrique centrale. Selon le chercheur anglais Arnott, on peut distinguer au moins 6 aires dialectales du Fulfulde d'après leurs systèmes nominaux et verbaux dans les régions d'origine de l'Afrique subsaharienne occidentale, le Sahel, de la côte atlantique du fleuve Niger. Le Fulfulde, nous avons donc ainsi le Fulfulde du Futatoro. On retrouve le Fulfulde du Futatoro au nord-est du Sénégal et en Mauritanie. Après cela, nous avons le Fulfulde du Fulado, qu'on retrouve au sud du Sénégal. Nous avons le Fulfulde du Massina, qu'on retrouve au Mali en Côte d'Ivoire et au nord du Ghana. Nous avons le Fulfulde de la Damawa, qu'on retrouve entre la zone frontalière du Nigeria et le Cameroun. Ensuite, nous avons le Fulfulde du Niger, le Fulfulde du Niger central. On retrouve donc le Fulfulde du Niger central au nord du Nigeria et au Niger oriental. Enfin, nous avons le Fulfulde du Futajallon, entre le centre et le nord-ouest de la Guinée. Après cette répartition spectaculaire, au Cameroun, le Fulfulde est la langue la plus représentée, 21%.
Nous pouvons donc conclure en disant qu'on retrouve les poulbés dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous les retrouvons dans les pays du Sahel et aussi en Afrique centrale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification. Full des classes d'Abiy Amin. Full des classes pour notre culture. À la prochaine vidéo. Bye bye!